Posez-moi votre question. Posez-la-moi. Allez-y, posez-la-moi. C'est inutile que je la pose parce que vous allez y répondre quand même. J'y répondrai quoi qu'il arrive. Oui. Non, il y a un truc assez génial et totalement inutile, totalement futile, mais qui va vous faire du bien. C'est une chaîne consacrée à la bande du Splendid. Un jour, peut-être, il y aura une chaîne consacrée totalement aux déchiens, mais là, c'est au Splendid. Alors, il n'y a pas que les films du Splendid, il y a tous les films dans lesquels ils ont chacun essaimé, joué, etc. Mais évidemment, il y a les classiques, ce qui sont devenus des classiques, qui étaient des trucs, des ovnis du cinéma français, des classiques, c'est-à-dire les bronzés, j'en ai trois. Parce qu'effectivement, il y en a eu trois. Le dernier a fait 10 millions d'entrées, même s'il a été polémique, les gens ont craché dessus, etc. 10 ils millions, sont allés quand même. 10 millions d'entrées. Oui, enfin, on ne connaît pas les répliques par cœur. Oui, mais justement, oh, quand même. Et comme ils ont repris pas mal des précédentes. Oui, non, je plaisante. en tout cas, les répliques, c'est culte et c'est ça qui est important, mais pas que, d'après Patrice Lecomte, le réalisateur. Bonjour, je suis Monsieur Morin. Oui, c'est à quel sujet? Au sujet, monsieur, vous êtes chez moi. Regarde, moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Quand les gens qui aiment bien les bronzés 1 et les bronzés 2 font du ski, revoient ces films et les revoient encore, ils ont confusément l'impression de feuilleter un album de famille. Oui, c'est vrai. Où on voit des amis, on dit, oh, regarde comme il était mince à cette époque. Je peux te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Eh ben voilà. Bah là aussi, c'est comme les déchets. C'est l'album de famille. Et on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils étaient maigres aussi à l'époque. Non, je plaisante. Patrice Lecomte qui était interrogé sur Ciné Plus par Pierre Zeny. Alors, sur cette chaîne consacrée au Splendid, je vous le disais, il y a les classiques et puis il y a 70 films au total, des films dans lesquels ont joué la bande du Splendid qu'ils ont parfois réalisé. Il y a des choses qui sont formidables, il y a des raretés, il y a des nanars, il y a tout. Moi, j'adore les nanars, hein, c'est pas péjoratif, évidemment. Et alors, s'il fallait en prendre qu'un, il y a un film culte qui s'appelle Tenue de soirée. Vous vous souvenez tous de Tenue de soirée? Oui, François Morel. Avec Marielle, avec Depardieu. La première scène est gigantesque. À l'époque où Depardieu faisait de la comédie. Et, il était maigre aussi. Un peu. Ouais. Et à l'époque, et dans ce film, il a du flair. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a du flair pour flairer les lingots. Il sait, les lingots. Tiens, justement, bouge pas. Tu les sens, les lingots? Quel lingot? Il y a des lingots quelque part, je le sens. Ça a pas d'odeur, le lingot. Ça palpite. Ça bat comme un cœur dans une poitrine de tôlard. Ça bat comme un cœur dans une poitrine de tôlard. Bertrand Blier, 1986. Donc, à revoir sur Ciné Plus Splendide, chaîne éphémère consacrée au Splendide, à revoir intégralement grâce à My Canal. C'est une chaîne de Canal Plus, vous l'avez compris, jusqu'à Noël, jusqu'au 27 décembre. C'est exactement. Cadeau, c'est sur My Canal. Joyeux Noël, Félix. Ah, c'est trop bien. Joyeux Noël, Félix. Ah oui, Joyeux Noël, Félix, parfait. Effectivement, ça fait partie des répliques cultes.